Bonjour, je m'appelle Emmanuel Correa et je suis maire d'une commune dans le département du Puy-de-Dôme qui s'appelle Anza-le-Luguet, à 1100-1200 mètres d'altitude. Notre projet, ça a été de profiter de travaux d'assainissement et d'enfouissement des différents réseaux pour mettre en place un réseau de chaleur bois à base de bois déchiqueté et qui alimente en fait à la fois des bâtiments publics et des bâtiments privés dans un petit village dans lequel il y avait on a 27 bâtiments qui sont reliés et donc peu d'habitants à l'année, mais au final avec quand même quelques résidences secondaires. Nous sommes aujourd'hui très contents d'avoir mis en place ce système-là, vu malheureusement la crise énergétique qui se passe. Donc on a remplacé une vingtaine de chaudières fuel, par ce système-là. Tant et si bien que nous avons essayé de faire la même chose sur un deuxième hameau, dans le hameau du Luguet. Et donc ça devrait commencer à tourner celui-ci, on va dire fin décembre, début janvier.